Que suite au présumé enlèvement d'enfants dans les différents quartiers et villes du Gabon, eh bien, cette situation suscite la psychose qui alimente bien sûr des conversations dans des milieux familiaux. Le président d'Ensemble pour la République vient de réagir justement sur cette. Au micro de Georges Combila. Depuis quelques jours, nous assistons avec tristesse et désolation à une vague d'enlèvement sans précédent dans notre pays de nos enfants. Cette situation non seulement crée un climat généralisé de psychose au sein de la population, mais aussi elle amène celle-ci à appliquer la justice populaire avec des grands risques de dérapage. Je condamne avec vigueur et fermeté ces actes tristes, ignobles et funestes, des actes étrangers et inconnus dans nos us et coutumes. Tout en demandant aux populations de rester vigilantes, je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des Gabonais et des Gabonaises. Je demande aussi l'ouverture d'une enquête dans l'immédiat, mobilisant toutes les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, afin que tous les exécutants et les commanditaires de cette vaste opération macabre soient dénichés, traqués et jugés avec la plus grande fermeté.